Bonjour, mon petit lève-tôt. Bonjour. Vendredi, on va aller chez le coiffeur. Enfin, je vais chez le coiffeur, du coup, je vais emmener Alec avec moi. Et on va couper un peu ses petits cheveux, là, parce que le pauvre... On dirait un petit champignon, mon fils. T'es trop beau, toi. T'es trop beau. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi. Je me suis pas maquillée, je sais pas si je vais me maquiller aujourd'hui. Je risque d'avoir une tête... horrible toute la journée, mais c'est pas grave. Il est 9h30, Nico est monté tôt ce matin à l'atelier parce que c'est son jour où il va vider tous les cagibi et tout. Et moi je suis restée avec Alec, et il est trop chou, il était trop drôle ce matin. Il jouait sur la terrasse avec moi pendant que je la nettoyais, et lui il jouait. Et là il a la sieste maintenant. Camille vient de passer pour récupérer du coup mon ordi avec les rushs du vlog d'hier. Parce que Camille... boss, pour ceux qui me disent Camille n'a pas de vacances et tout, bon, c'est plus sur Insta qu'on me dit ça, mais Camille est en stage en fait, donc elle n'a pas de vacances pendant son stage et elle reste avec nous, on l'embauche à partir du mois de septembre. Bon après on lui a donné des jours, on n'est pas genre en mode tu travailles et tout, il y a des jours où elle a pratiquement pas travaillé et tout parce que c'est plus calme l'été notre activité. Mais à partir de la rentrée, on sait que ça va être intense, donc du coup, voilà, le mois d'août, c'est un peu cool. Voilà, du coup, elle bosse quand même à l'atelier, elle monte, elle va monter mes vlogs là pendant le mois d'août. Et qui dort pas encore, elle m'entend parler. Et après, elle a des trucs, on a des trucs à lui faire faire au fur et à mesure, mais rien de très intense, donc ça va. Ça va être cool pour elle aussi. T-shirt. Il fait plus frais ce matin, mais bon, je pense que la température va monter comme d'hab. Donc voilà, je voulais aller à la plage ce matin, mais finalement, vu qu'il a fait sa sieste un peu tard, là, il a toujours pas fait sa sieste, je l'emmène pas, parce que sinon, ça va complètement le décaler. Et voilà, j'avais envie de le recaler un peu, vu qu'il fait des bonnes siestes ces derniers jours, j'ai envie qu'il prenne l'habitude de faire des bonnes siestes, et qu'on reste sur cette dynamique. Mais je pense que du coup, on ira à la plage en fin d'après-midi, en fin de journée, et je sais pas encore ce qu'on va faire aujourd'hui. Je n'ai pas encore décidé ce que j'allais trier. Je pense que je vais commencer par la chambre d'Ella. Mais je suis pas sûre. J'hésite entre la salle de bain, faire à fond la salle de bain, tout sortir, tout nettoyer, tout trier, ou faire à fond la chambre d'Ella. C'est mon dilemme de ce matin là. Bon, on vient d'être livré d'un frigo. Une collaboration que Nico fait. Donc on a un nouveau frigo. Hop. Bon, il est plein de polystyrène là. Faut que je décolle tout. Qui va remplacer du coup celui-là, qui va sûrement monter dans l'appartement du haut, parce que le frigo de l'appartement du haut est vraiment plus du tout en état, donc on va transvaser, mais je sais pas comment on va monter ça en haut, enfin c'est Serge et les garçons qui vont s'occuper de ça. Il a l'air pas mal du tout, hein. De toute façon Nico vous en dira plus, mais apparemment il a un bac qui conserve les légumes et les fruits beaucoup plus longtemps que les autres frigos, enfin c'est un truc un peu particulier, mais ça a l'air stylé. Et bon après, en termes de design, c'est un peu la même chose. Il est plus haut par contre, celui-là il est moins large mais il est plus haut. Et celui-là, ben, celui-là était très bien, hein. On l'avait acheté je sais plus quand. Mais ça fait pas trop longtemps, ça doit faire 2 ans qu'on l'a je crois. Mais ça va être l'occasion de virer tous les magnets. Bon, ce midi pour Alec, c'est une galette que j'ai... Je trouvais la recette sur le compte Instagram La vie d'une maman ortho, qui est une professionnelle de la DME. On fait pas la DME à la maison, mais vu qu'Alec maintenant a envie de manger solide, j'essaie de trouver des alternatives un peu saines. Donc on a une petite tartine avec de la purée de cajou. J'avais jamais goûté, c'est genre le meilleur truc que j'ai mangé de ma vie, là je viens de goûter. Et ça c'est une petite galette aux légumes, donc courgettes, carottes, avec un petit peu de gruyère et un œuf. Et c'est une des recettes, c'est une des assiettes proposées... sur son compte Instagram, elle a des IGTV, donc j'ai suivi ça. On va voir s'il aime. Alors, c'est bon ou pas? Je crois que ça te plaît, hein. Je crois que ça te plaît, ça. Je vous mettrai le nom du compte Insta, La vie d'une maman ortho, pour celles que ça intéresse. Écoutez, ça a l'air de lui plaire. La purée de cajou, il a entièrement léché, et il grignote au fur et à mesure la petite cracotte, là. Ça te plaît? T'es bon? T'es bon mon amour? T'as pas dit à table? T'as pas dit... Ah voilà, je croyais que t'avais perdu ta langue.
Merci les bavards jouressants. Si je vous entends la chambre, bon, Alec est toujours en pyjama, mais bon, je ne l'ai pas changé encore. Qu'est-ce que tu racontes, mon doudou? Des yeux, mon cœur. J'ai toujours pas fixé cette planche non plus. Je sais pas où la mettre en fait. Du coup, je l'ai calée un peu derrière le meuble pour pas qu'elle tombe. C'est franchement pas pratique. Mon petit chat. Il adore jouer dans sa chambre maintenant. C'est son délire. Coucou mon ange. Coucou les bébés. Bon, on va promener un peu. Je vais aller à l'atelier exporter mon vlog que vous aurez vu hier du coup. Et en même temps, ça nous fait pas la promenade. Avec il est content, il y a un peu de vent, donc du coup il fait pas trop chaud, c'est très bien. Ça tombe hyper bien parce que sinon à cette heure-là d'habitude on est en début d'après-midi, il est genre 13h30. À cette heure-là, c'est un peu la merde pour sortir. Mais là, c'est trop bien aujourd'hui. Regardez comme il fait trop rire avec sa petite tenue d'américain là. Alec ! Il commence à être vraiment fatigué là mon bébé. Oui, on va rouler. Allez, on est passé à l'atelier. Mais là, il est fatigué ce bébé. Il a envie de se promener. Bon, je suis de retour à la maison. J'ai enfin eu le comptable au téléphone. En plus, j'arrive même pas à lui en vouloir. Parce qu'il est très sympa. Mais il est en train de faire mon prévisionnel que maintenant. Mais j'arrive pas à lui en vouloir parce que je vois que je l'ai au téléphone, il est super cool. Genre, là, je fais en rigole et tout. Ah là là, je vous jure. Mais bon, il est en train de finaliser le document, donc c'est quand même ça l'essentiel. Là, Alec dort pour sa sieste de l'après-midi. Il a vachement bien dormi ce matin, il a encore dormi 2 heures. Ça m'épate, en ce moment, il dort trop bien. Je pense pas qu'il va dormir non plus des heures, mais bon, on verra. Donc voilà, je suis contente, ça veut dire que je vais pouvoir avancer sur le dossier pour la banque, et c'est une bonne nouvelle. Je vous en parle comme ça, parce que de toute façon, j'ai rien à cacher et... Et je pense que c'est intéressant de voir un peu, pour ceux qui souhaitent construire ou acheter une maison, voir un peu les étapes par lesquelles il faut passer. Et pour ceux qui sont à leur compte également. Nous, on a demandé un prévisionnel à notre comptable parce que ça fait que 1 an qu'on a créé notre société. Alors avant, on avait chacun une auto-entreprise, donc ça compte également. J'ai également ces bilans-là. Mais on n'a qu'un bilan avec notre SAS. Pour bien que notre dossier soit bien consistant, j'ai demandé un prévisionnel en plus au comptable, sachant que c'est payant. Voilà, je donne l'info juste pour ceux qui sont à leur compte. Pour qui se poserait la question, c'est payant quand même de demander ça au comptable, mais bon, ça vaut le coup parce que notre dossier du coup sera plus consistant. Encore des trucs à faire, il faut que je demande à une amie qui est agent immobilier qu'elle m'estime la valeur locative de notre appart ici, parce que ça aussi ça compte pour la banque. Enfin, voilà, j'ai plein de papiers à récupérer pour que le dossier soit complet, mais voilà, on verra. En fait, depuis le début, on n'arrive pas à y croire avec Nico. Ça nous paraît beaucoup trop beau pour que ça passe. Mais pour l'instant, ça va. Donc on se dit, peut-être que ça va passer. Et si ça passe, on arrivera à faire la maison de nos rêves. Mais on n'y croit tellement pas. Enfin, bref, on verra. Hein. Je touche du bois. Ah ! T'es là ! Mais il est où, Alec ? Il est passé où, Alec ? Il est passé où ? Je le trouve plus. Je le trouve plus. Ah ! Coucou ! T'es où mon amour? Coucou! On voit rien là, j'ai baissé les volets parce que sinon il y a trop de soleil qui rentre dans la maison. Coucou! On attend papa, après on ira se baigner. Hein? Bon, on est à la plage, il est 18h, 18h30 et c'est blindé de monde. Notre petite plage où il n'y a personne le matin, là ça y est, les touristes sont arrivés. C'est blindé, mais l'eau elle est trop bonne. Ça fait trop du bien là se baigner, Nico il a terminé. Et du coup on profite un peu d'aller en fin de journée à la plage avec le bébé. C'est beaucoup plus agréable parce que là la température est baisse et tout, on est bien. Je sais pas si on va manger ici ou pas, du coup on va peut-être prendre, il y a un food truck juste à côté, on va peut-être prendre... à manger. Allez, qui râle parce qu'il trouve qu'elle est froide, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, tu veux sauter en l'air? 3, 2, 1. Ouh, décollage! C'est ça que tu veux.
I used to feel so far away. Didn't think I had a part to play. I used to let things bring me down. I would walk with my eyes to the ground. But I knew I could find a way to push through. Every word they'd say, I grew strong. I knew right from wrong. Food truck. Alec, il se mange des petites frites. J'avais pris des compotes aussi. Ouais. Un repas de restaurant, non. On se retrouve plus tard, il est 22h. Je viens de monter, de revérifier toute une vidéo que Camille avait montée et de faire mes petites modifs et tout. On a mangé du coup dehors au food truck qui est à la plage pas loin de chez nous. Alec a été hyper cool. À chaque fois je suis étonnée, je me dis c'est pas possible qu'il soit si... Bon, je dis pas que c'est toujours hyper... Enfin, que c'est parfait, ça reste un enfant, hein, comme tous les enfants. Des fois ça se passe super bien et des fois c'était pas le bon jour, mais là il a été tellement mignon. Du coup on a été à la plage vers 18h, on a rejoint des potes, enfin on a trouvé des potes à nous là-bas parce que c'est la plage du village, donc il y a toujours des amis là-bas, des gens du village qu'on connaît, et vu que tout le monde a des enfants maintenant c'est cool, mais c'est que des petits bébés et tout, donc c'était trop bien. Ils ont tous joué ensemble, on est resté du coup à la plage à 17h30, 18h à 19h à peu près. Et ensuite, on allait manger au food truck au-dessus, là, avec Nico. On est resté une bonne heure au food truck. Alec, il a mangé du coup des frites. J'avais pris des compotes et il a mangé des frites. C'est des frites maison là-bas, donc du coup, c'est nickel. Il les mange très bien. Voilà. C'est exceptionnel, hein. Je nourris pas mon enfant de frites, mais on faisait pareil avec Ella. Quand elle commençait à manger à peine, souvent on prenait soit une petite purée de légumes qu'on pouvait, on n'avait pas besoin de faire chauffer, genre carottes ou quoi, et on lui faisait manger des frites souvent au resto, et ça marchait très bien. Après voilà, c'est pas une alimentation à avoir à tous les repas, mais exceptionnellement ça passe. Et après il a fait que danser parce qu'il y avait la musique, du coup nous on a mangé tranquille, il faisait que danser, jouer à côté de nous et tout, il était trop trop mimi. Il était trop content en fait de manger dehors, de sortir le soir. On l'a rentré, on l'a douché, je lui ai donné un petit biberon en plus, mais il a pas bu grand chose. Et je l'ai mis dans son lit, il était tout content, il me faisait plein de sourires, et hop il s'est couché, il a rien dit. Et je me dis, franchement... Il nous facilite la vie cet enfant, franchement il est trop chou. Et là elle a vécu sa meilleure journée à Aquasplash, donc c'est un parc aquatique qui est à Antibes. J'ai reçu plein de vidéos de la part de mes parents aujourd'hui. Elle voulait plus partir carrément, elle a fait le même toboggan à la fin pendant une heure et tout, elle était à fond. Et on l'a eu plusieurs fois en FaceTime dans la journée. Et elle est trop mignonne parce que mon père lui apprend un peu, enfin lui apprend entre gros guillemets, hein, le piano. Mon père est pianiste, donc du coup elle m'a joué une petite mélodie tout à l'heure. Elle a jamais fait de piano, mais du coup elle a appris une petite mélodie. Elle lui a appris tous les dos et bon, donc tous les jours elle veut descendre dans le studio de mon père pour faire un peu de piano avec lui. Et lui, il lui apprend un petit peu comme moi, il m'avait appris quand j'étais petite. Donc c'est cool, c'est... C'est bien, je suis trop contente, elle passe des bons moments, on n'a pas l'air du tout de lui manquer. Et Alec, lui, quand il la voit à la caméra, il est plutôt content. Il comprend pas trop, mais il est content, il pousse des petits cris et tout, il est tout content, tout mignon. Donc voilà, c'est cool. Je suis en train de lire vos commentaires du coup sur le vlog d'hier pour choisir ce que je vais commencer à trier en priorité. Et en majorité, vous êtes en train de me dire de commencer par le pire, donc la cuisine à mon sens. Donc je vais attaquer demain la cuisine, voilà, je vais vous écouter. Je vous montrerai ça tous les jours, un petit peu de rangement, un petit peu de tri. Vous suivrez l'évolution, j'espère que ça vous motivera vous aussi. Parce que souvent, quand on regarde des vidéos de gens qui rangent et qui trient, ça nous motive nous-mêmes, enfin moi c'est l'effet que ça me fait, et je sais que ça le fait à beaucoup de monde, à faire de même. Et après on se sent tous mieux, et c'est un cercle vertueux.
Bref, je vais me mettre un peu de New Amsterdam. Je vous conseille à 1000% cette série, franchement. J'aime trop. Ça me fait trop penser à Urgence. Bon, ça me fait aussi beaucoup penser à Grey's Anatomy, je vous l'ai dit hier. Mais ça me fait beaucoup penser à Urgence que je regardais avec mes parents quand j'étais petite. J'aime trop. Bref, allez, je m'y remets du coup. Bon, je vais aller me coucher. C'est trop d'émotion pour moi cette série. Je fais que pleurer. Ouais, le t-shirt écartelé est toujours là. Demain, je dois ranger tout le linge. La première saison, franchement, c'était éprouvant. Il y en a plein qui m'ont dit sur Insta, tu vas voir, je fais que pleurer et tout. Franchement, j'ai pleuré pas mal de fois pendant cette série. Mais bon, c'est pour ça que je kiffe. Je vais vous laisser, je vais me coucher. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao.